tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Voici la fin de la quadrilogie sur la publicité. Donc c'est aujourd'hui l'heure de la conclusion. Après ces trois vidéos sur... Donc je vous rappelle. Première partie, pourquoi ça m'énerve l'ASMR, pourquoi je ne mettrai pas de pub et l'autopromo des unloaders. La deuxième vidéo, c'était sur la pub. Les slogans, les phrases qu'on retient, par exemple, quand je vais bien, je vais à mine, ou Mercure Chrome, le pansement des héros, les pubs YouTube. Je vais à présent dresser une petite conclusion avec deux points et une ouverture. Le premier point, c'est est-ce que c'est si mal que ça, en fin de compte, les publicités? Ça, souvent, c'est des pubs qui n'ont pas ou peu de rapport avec la vidéo qu'on regarde. Et voilà, c'est une contrepartie. On perd un peu de temps, le youtubeur gagne un petit peu d'argent. C'est donnant-donnant. Mais après, je pense que il y a une autre solution, des sites. Justement, on peut regarder des pubs. Alors, je sais plus si c'est YouTube ou un autre site où on peut justement décider sciemment de regarder quelques publicités qui rémunérera à hauteur de, je crois que c'est entre 1 et 10 centimes le vidéaste, ou peut-être un peu moins, enfin peut-être pas un peu moins, parce que 0,01 centime, 1 demi centime, voilà, donc c'est peu ou beaucoup, quelques centimes. C'est surtout les films grand public. Ça me fait penser aux pubs, par exemple, qu'on a avec les DVD. Souvent, il y a des petites pubs avant. Bon, souvent, par exemple, je crois que sur un vieux DVD que j'avais d'Aladin, il faisait des pubs pour le Roi Lion ou inversement, je ne sais plus. Mais voilà, c'est des petites pubs qui manquent. Bon, après, c'est toujours des trucs grand public. Ils devraient faire des Chirol. Mais voilà, c'est des pubs pour des plateformes. Ils font pas des pubs pour des... Enfin,
récemment, j'ai regardé Another. Si j'avais une pub pour regarder Another, j'aurais regardé avant. Ils devraient faire des pubs pour le Tombeau des Lucioles, pour Your Name. Après, si on veut passer dans le cinéma, bon, ça c'est toujours du grand public. Si on veut du cinéma un peu pointu, un peu plus pointu, faire découvrir du Sonotion aux gens, ça peut être pas mal. Je vais arrêter avec mes références cinéphiles complètement pété. Non mais regardez du Sonotion, c'est bien. Suicide Club et Love Exposure. Et voilà, des petits films comme... J'avais vu un film il n'y a pas longtemps. La Casa Lobo, The Wolf House, qui est un très bon film d'horreur. Franchement, il dure 1h10. Mais l'ambiance est géniale, le jeu sur la texture est magnifique. Si vous voulez un bon film d'horreur, il est dispo, je crois. Illégalement, avec des sous-titres anglais sur YouTube, si ça n'a pas été supprimé depuis. Mais voilà, je regrette que les pubs en fait sont parfois bonnes, mais qu'elles ne soient pas assez concrètes et correctes dans ce qu'elles présentent, puisqu'on a dans une grande majorité des cas des pubs pour des plateformes ou des pubs pour des arnaques. Voilà, faites autant d'argent avec votre voix ou ne faites rien, investissez en bourse et gagnez des millions d'euros, qui sont quand même des gros scams. Des gros scams, hein, pas des grosses cams, pas des grosses caméras. Ça permet aussi de découvrir ses recommandations.